quel que soit côté nous hier, la caille ou dehors, dans le coin ou dans la région, dans la section communale, dans la ville, dans la province et tout le département pays d'Haïti, nous saluons nous toutes. Donc, comme nous connaissons, avant de commencer la deuxième émission, ça, nous prenons le temps pour nous remercier tout le monde qui était prend du temps dans des émissions ça hein? Et puis commenter li et nous content que nous recevoir et commentaires de en pile amis de en pile monde qui relé nous que nous demander pour yo faire commentaire et analyse critique de ça nous fait là nous dit merci à tout le monde, merci à Payan, merci à Drapeau, merci à toutes collègues, toutes amies, toutes frères, toutes sœurs, tout haïtien, tribord et babo. Assoyez nous entrer pour deuxième série émission ça. Avant nous taper directement dans deuxième série émission ça, nous font un petit résumé aussi rapide pour nous capables de mettre pendule tout le monde à l'heure. Dernièrement, nous avons parlé de ça, les territoires en pays. Territoire en pays, il implique trois aspects. Il y a trois espaces là-dedans, qui c'est espace terrestre, qui c'est espace maritime, qui c'est espace aérien. Donc, je ne veux dire, nous allons analyser un espace et certainement c'est espace terrestre là, qui c'est espace maîtresse là. Donc, c'est espace terrestre là qui pour bail et tout accès à tout l'autre espace. Comme étant donné que l'espace terrestre est un bagage qui est vaste, et ce n'est pas un petit domaine petit, parce que organiser l'espace terrestre veut dire que constituer. Nous ne pouvons pas l'entrer directement dans la constitution, mais qu'on le veut ou non, l'offre qu'on société, l'offre qu'on état, pour commencer par planifier espace où faut que nous entendons son ensemble de lois. Donc, maman loi paysan qui c'est constitution. Alors, ça qui est plus jeune, non? Constitution 1987, non? Li définit espace terrestre ou en consa. Li subdivise le consa. Li subdivise en 10 départements. Li subdivise en 42 arrondissements, 145 communes, et puis li gagne 64 quartiers et 571 sections communales. Donc ça c'est constitution 1987 là, qui subdivise le constat. Maintenant, nous pas experts en la matière, nous pas prêts à l'entrer dans la constitution parce que ça c'est un homme de droit et un homme de loi qui pourra faire type d'analyse à vous. Mais nous-mêmes, de qui ça nous voulait parler? Nous avons parlé de qui gens ça t'a dû organiser. Malgré que la constitution lui parlait de plan urbanisme, lui parlait plan urbanisme, lui parlait de loi et droit sur l'urbanisme. Mais, moi-même, la première question, avant que m'entre en dans grand-maman suyer, c'est est-ce que pays nous a doté de sanotarele yon politique en matière de planification nationale de l'urbanisme? Parce que une politique de planification nationale qui t'a supposé en continuité et de deux qui t'a supposé en mise à jour. Si nous apprenons subdivision que constitution 87 lamba nous qui dit chaque département yo autonome son personne morale que oui. Et là, ça signifie, ça t'appelle si nous avons organisé comme ça. Si nous avons organisé
selon sa constitution pays d'Haïti, selon sa constitution 1987, là, il est subdivisé en 10 départements. Donc, si chaque département, ça a eu, en fonction de une planification nationale d'urbanisme, maintenant, qui t'apprend son gros projet lié, son projet à long terme, son projet continuel que lié, donc chaque département a gagné un plan départemental d'urbanisme. Qui t'a pris fait que les répartis pouvoir sur différentes échelles, by arrondissement, by commune, by section communale, et ça t'a pris fait un rumble national. Et que nous-mêmes, nous avons dit, avant même que nous parlions de construire, c'est ça. Chaque département a supposé a fait étude superficielle terre que vous avez. Pour qu'on ait terre ça. Qui partit la donne qui pour agriculture? Qui partit la donne qui gagne gaz? Qui partit la donne qui a habité? Qui partit la donne qui pour industrie? Qui partit la donne qui pour tout ça que l'État t'a supposé faire en termes d'action urbanisme pour un pays. On va entrer dans l'analyse par nos journées aujourd'hui. Si ça fonctionne en tant que pays, si chaque département y a gagné un plan d'urbanisme. Donc, nous avons commencé par comprendre que chaque département ça a pris étude en continu. Étude qui pour montrer la capacité en termes de richesse que vous gagnez et qui a exploité la richesse ça pour non seulement faire population la caillou bénéficier de richesse, mais en même temps, vendre excédent. Maintenant, pour nous aller chercher capitaux. Parce que tout gros projet d'infrastructure, il y a besoin de fonds. Et fonds, ça, ce n'est pas un monde dehors qui peut aller vivre une parce que c'est la caille ou fait. Donc, c'est la caille ou fait, certainement, c'est pour planifier, pour qu'on ait qui soit gagné, pour qu'on ait qui capacité ou d'investissement en un projet ça et sous combien de temps qu'il soit besoin. Donc c'est après tout étude ça par département et rapport à pas cheminer ensemble pour non conseil départemental et qui pourrait rejoindre les grandes lignes directrices, n'est-ce pas, du plan national d'urbanisme. Moi, c'est que dans tout état sérieux, premier bagage que vous avez un état qui est responsable, c'est un, vérifier superficie là, analyser li, faire étude sur li, faire prospection, déterminer quel type de richesse vous gagnez, qui j'ont à transformer richesse ça en valeur marchande. Qui j'en coûte à transformer richesse ça pour chercher capitaux pour non seulement nourrir tête ou mais pour qu'à faire investissement interne et puis pour redistribuer richesse ça par la population la cave. Donc, espace de récent sont bagaille qui loge. Nous pensons que aujourd'hui nous pas bien temps élaboré sur tout, mais nous prenons une belle partie là-dedans, donc ça va étendre sur plusieurs séries d'émissions. En nous regarder, en termes de planification, si nous prenons pas division que Constitution 87 n'a pas, chaque département a supposé au minimum gagner 3 universités. L'État supposé qu'on complexe d'État. Côté que
tout service d'État, même gens liés dans sa notarie capitale nationale. Et il faut avoir une interconnexion de tout service d'État, il faut avoir une même efficacité. Il faut que chaque département ta connaît qui quantité de ressources que le gagne et qui gens que le pral exploiter ressources ça pour rendre chaque habitant dans département nan confortable. Faut que chaque département capable étudier pour connaître en termes prévisionnels combien de techniciens que le gagne besoin par rapport à masse population que le gagne la calière. Techniciens, soit professionnels en santé, soit professeurs, soit ingénieurs, soit électriciens, s'il n'a pas pris d'accord des métiers. Donc, ça, c'est planification. On a parlé d'université. Donc, pour toute étude sol, ça est au fait, il faut qu'il y ait des experts. Ou qu'à servir avec des experts internes, si bien, qu'on s'en trouve, ou qu'à faire appel avec des firmes d'expertise. Qui pour vérifier espace ou analyser espace ou garder qui ça gagne espace ou comme ressource, comparativement à masse population là. Donc, le sawap ka gon idée claire qui kotoye et qui koto prale, ça nous a dit l'État, représentant d'État, autorité yo, y a konnen que c'est pas yon nèg, c'est pas service yon nèg, mais c'est service yon pays. Donc, institution yo, on nèg ka vini, ou ba, li gon kote de redman pou l'bay, li commence travail là. Madal finisse ou bien le réélu pour continuer le travail là, ou bien le pas réélu, c'est un autre monde qui réélu, mais le travail là a continué parce que le travail là pas travail, yon président, il n'y a pas de travail, yon délégué départemental, il n'y a pas de travail, ni un président de conseil départemental ou conseil communal, il n'y a pas de travail, yon ministre, il n'y a pas de travail. Pendant ma petite ça. Et. Ça t'est bien étonné, le map gardé, moi, ouais, t'es gagné un comité interministériel d'aménagement du territoire national d'Haïti. Et puis, c'est dans primature. C'était un projet dans primature. Donc, je pense que ça, c'est pas projet un premier ministre, c'est projet une nation. Donc, je pense que ça, il fait partie de ça, il est une politique nationale. Donc, avec un pile loi, et puis constitution, il faut le clair, sur ça. Moi-même, question que je pourrais souhaiter, si tu as aimé qu'on est, est-ce que nous gagnons un côté en de la constitution, 87, qui parlait de une politique en matière de planification nationale, d'urbanisme qui en continuité puis en mise à jour. Souvenez-vous pour ça, frère, pas négliger, partagez-le avec nous, partagez-le avec tous les amis, critiquez, demandez-nous qui sont à aimer, parce que nous choisissons pas faire et analyse d'actualité, mais il faut nous commencer depuis la base pour nous monter. Pour nous faire comprendre qui ça fait nous dans l'état noyé journée et jour. Donc, il y a un programme, une planification, ou une politique de planification en matière d'urbanisme dans nos pays pour aménager un territoire. C'est un gros bagage, c'est un gros projet, et son projet à long terme. Son projet continuel. Donc, c'est toute entité d'État qui suppose chita ensemble, non seulement en consultation avec la population, pour qu'on ait qui gens yon pral préparer pays ça en termes d'infrastructure. Pour yon faire ça, qui ressources nous gagne?
Et l'on finit d'identifier les ressources, est-ce que vous avez une façon pour rendre les ressources à vous, pour ramener les ressources à vous à la valeur marchande? Parce que vous avez besoin d'un pile capitaux pour faire infrastructure ça, pour mettre projet là en exécution. Donc, famille mieux, frère mieux, sœur mieux, nous loin toujours. J'ai l'impression que nous pouvons même jeter première pierre là, voir que pour nous penser à construire. Parce que ou pas d'accord pour une population, pour un iglagel son terre, moun construit jaouvle, yo habite n'importe qui côté, l'État pas représenté rien devant sa kap fèt yo, et tout moun libre. Non, un pays pas organisé comme ça. Mon terre n'est pas planifié comme ça. Donc, ou pas même qu'on est-ce que côté moun sa yo à l'habite, est-ce que là, li habitable? D'ailleurs, faut ta gen calcul qui fait en mal sous. Là pour garder qui consistance qui poids que ça a apporté qui type d'infrastructure qu'on a déposé sous lui. Nous avons pile bagaille pour nous faire. Donc le tout département ça a fait tout ensemble d'études ça, c'est là nous avons nous pour gagner un document officiel national qui prend le bail tout directif en matière d'infrastructure. Et c'est tout grand point ça. Nous étions à soi. Et nous posons des questions. Si vous avez une réponse, partagez-la avec nous. Parce que nous ne comptons pas tout le bagage. Pendant la pote, on si bagay vini, si gen moun kap tande ki pote contribution par yo ba nou tout, donc zye pa lot lan, a vin bi ouvri. Mais vite ou. Ou même kap tande, ou même kap gade. An nou pa plus kritike, mais an nou met me ansam, pou nou fè rêve pays d'Haïtien, changement pays d'Haïtien qui vin réel. Parce que son peuple noyé, nous devons organiser. Nous avons fini pour nous dire que l'espace terrestre, les larges en pile. L'infrastructure, les larges en pile. Ça m'a dit en pile d'institution, ça m'a dit en pile organisation et ça m'a dit en pile planification. Donc, dans la prochaine série qui va venir, nous venons pour nous chita sur ça, nous t'arrêler. Qui identification ressources qui fait, qui j'en ressources qui a transformé, et qui j'en nous a dérapé, construction sur toutes les formes. Le nous dit construction, route, l'hôpital, université, habitat, complexe d'État, terrain de jeu, parc sportif, parc d'attraction, tout. Parce que on l'État qui est responsable, on autorité qui est responsable en non l'État, les supposés prévoir. Les supposés retenir non seulement la Kaili, mais tout habitat qui n'a pas ici. Je ne pas faire émission, je ne pas faire série trop longue. Donc, nous campons sur ça à soi. Pas oublier, question c'est est-ce que la constitution pays noir, les gagnants ont une loi, un article de loi qui parlait de une politique en matière de planification nationale de l'urbanisme. À bon attendeur, salut. Moi, mes noms pile, il est à l'écoute.